sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le Colt 1911. Installez-vous confortablement, prenez un café modèle jus de chaussette américain et suivez-moi pour cette vidéo en mode historique. Comment avoir une chaîne sur les armes et ne pas parler du fameux Colt 1911 Qui déchaîne toujours autant les passions malgré une mise en service il y a plus de 110 ans Ouais, dit comme ça, c'est impressionnant. Après autant d'années, cette arme de poing est toujours autant prisée des tireurs sportifs et des collectionneurs. Il y a une sorte de mythe autour de ce pistolet. Non, rien à voir avec l'insecte. Ce que je peux vous dire, c'est que je fais du tir sportif depuis plus de 35 ans, et j'ai l'impression que l'engouement pour cette arme ne s'est jamais estompé. Je dirais même un petit peu le contraire. D'ailleurs, je pense qu'il n'existe aucun pistolet plus emblématique que le Colt 1911. Ce qui est absolument impressionnant avec ce pistolet, c'est que plus d'un siècle après son invention, il est toujours fabriqué et ce par plusieurs fabricants. On trouve des Colt 1911 dans n'importe quelle armurerie et souvent dans plusieurs versions. Quel autre pistolet peut prétendre avoir eu autant d'années de service et être encore omniprésent dans les étals des marchands? Eh bien, il n'y a que le Colt 1911. Alors, dans cette vidéo, on verra son histoire et on essaiera de comprendre comment le Colt 1911 est rentré de son vivant au Panthéon. Mais je vous présenterai aussi cette version ici présente, une version hyper intéressante pour la collection, mais pas que. Allez, la vidéo sur le Colt 1911, eh ben c'est parti. Alors, déjà, première chose, le Colt 1911 est aussi connu sous le nom de Colt 45. Mais dit ainsi, l'appellation de Colt 45 est erronée. Pourtant, le ce nom de Colt 45 est tellement ancré dans le vocabulaire qu'on trouve même un film français qui porte carrément ce nom. Si le nom de Colt 45 Auto serait plus correct, le bon nom reste Colt 1911. Et pourquoi 1911 Eh bien, comme beaucoup d'armes à l'époque, c'était l'année officielle de l'invention de l'arme. Mais reprenons l'histoire du début. Après la guerre américo-philippine qui se déroula entre 1899 et 1902, l'armée américaine voulut remplacer l'arme de poing qui était en service à l'époque, qui était le Colt M1892. Il voulait remplacer son revolver par une arme plus performante, car le Colt M1892 pendant cette guerre avait péché par son manque de puissance d'arrêt. Dès 1902, l'armée américaine s'arrêta sur un cahier des charges précis. Alors voici les conditions qu'on y trouvait. L'arme devait avoir un pouvoir d'arrêt amélioré par rapport au vieux revolver M 1892 qui était en calibre 38 Long Colt, car le calibre 38 Long Colt avait une puissance maxi de seulement 230-240 joules. Et dans le cahier des charges, il était indiqué que le calibre devait passer au calibre 45. Les ogives devaient avoir un poids compris entre 14,9 et 16,2 grammes, et la vitesse de sortie de canon recherchée était 244 mètres/secondes. Le fonctionnement de l'arme devait être en semi-automatique afin d'améliorer la cadence de tir et la vitesse de rechargement par rapport à un revolver. Il y a eu alors deux manufactures qui se sont mises en compétition pour répondre à cet appel d'offres. La société Savage avec son modèle 1907 et Colt avec le pistolet qui allait devenir le modèle 1911. Les premiers tests eurent lieu en 1907. Mais c'est seulement 4 ans plus tard, le 29 mars 1911, que l'armée américaine trancha en faveur du pistolet Colt 1911. C'est bien entendu un ensemble de choses qui ont fait basculer le choix de l'armée américaine sur le Colt. Mais la fiabilité de l'arme a énormément pesé, car lors des tests, le Colt 1911 a été capable de tirer plus de 6000 cartouches sans aucun incident de tir. Rendez-vous compte, sa fiabilité était si importante que c'était l'équivalence de celle des revolvers. Mais pour la petite histoire, ce ne sont pas les ingénieurs de Colt qui ont inventé le 1911. Non, il a été inventé par John Browning. Car à cette époque, Browning et Colt avaient une sorte de partenariat, un petit peu comme Paul Lefebvre et Olight, par exemple. Ceci dit, apparemment, ce n'est pas Colt qui a été à l'initiative de répondre à l'appel d'offre de l'armée américaine, mais bien John Browning lui-même. Il s'est alors tourné vers son partenaire O'Light euh non Colt pour l'épauler dans cette tâche. D'ailleurs, John Browning était un brillant inventeur d'armes automatiques et semi-automatiques, mais il a inventé qu'une seule arme qui n'était pas de Mark Browning. Bon, eh ben pas de bol, c'est juste tombé sur celui qui a connu le plus grand succès. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée du 1911 ne lui est pas venue comme ça comme un flash en se cognant sur la cuvette des WC. Non, non, car en 1903, John Browning avait élaboré un pistolet appelé le Browning M 1903, qui peut être considéré comme l'ancêtre du 1911. En le regardant bien, il est quand même difficile de ne pas voir un air de famille avec le 1911. Mais en toute honnêteté, je dois avouer que je n'ai pas trouvé la véritable raison pour laquelle John Browning a eu besoin de la société Colt pour élaborer le 1911. Car il avait déjà la base du pistolet et une solide expérience en semi-auto. Au passage, il est passé à un doigt et une couille de s'appeler Colt 1912. Parce que bien que l'armée américaine ait validé officiellement l'adoption de cette arme le 29 mars 1911, la production de ce pistolet a été lancée seulement le 28 décembre 1911. Il faut même dire que la production intensive a eu un petit peu de mal à se lancer. Car même s'il existait une réelle production série en 1912, on ne comptait pas plus de 17 000 exemplaires produits à la fin de cette année-là. Et au cours de l'année 1914, la compagnie Springfield vient épauler Colt pour accroître la production. Toutefois, à la fin de l'année 1916, seulement 150 000 exemplaires avaient été produits. Et c'est seulement en 1917 qu'une réelle production de masse fut lancée, suivie d'une un, large distribution dans l'armée américaine. C'est pour ça qu'il a fallu attendre l'approche de la fin de la Première Guerre mondiale pour voir le Colt 1911 équiper l'ensemble des forces américaines. Après la Première Guerre mondiale, ce pistolet continua sa carrière dans les forces de police américaines pendant la Prohibition. Il était d'ailleurs utilisé dans les deux camps, car le banditisme était aussi très largement équipé de cette arme. Et comment ne pas parler d'Al Capone qui possédait lui aussi un Colt 1911 Vous allez dire, il devait en avoir une tripotée d'armes. Oui, peut-être, mais le Colt 1911 était l'arme préférée d'Al Capone. C'était l'arme dont il ne se séparait jamais. Celle qu'il utilisait pour sa protection personnelle. Ou en d'autres termes, si quelqu'un arrivait à descendre les 57 porte-flingues qui l'entouraient, Al Capone dégainait son 1911. Et c'est en 1926 qu'une grosse remise à niveau fut opérée sur le Colt 1911. Cette remise à niveau fut réalisée par rapport au retour d'expérience des militaires pendant la Première Guerre mondiale, malgré un engagement sur le terrain limité à la toute fin de la guerre. Le retour d'expérience des utilisateurs fit ressortir quelques points qui demandaient des améliorations. C'est pour ça qu'en 1926, on vit apparaître une nouvelle version du Colt 1911, le Colt 1911 A1. Les principales modifications sont la détente raccourcie afin de permettre un tir plus rapide mais aussi de pouvoir tirer avec des gants, la pédale de sécurité a été rallongée pour protéger la main du tireur du chien. On vit aussi apparaître à l'arrière de la poignée un bossage pour améliorer la prise en main. Les organes de visée ont été modifiés et le chien raccourci. Mais on peut très facilement différencier les deux modèles d'un seul coup d'œil. Car les fameux losanges emblématiques des plaquettes ne se trouvent que sur le modèle 1911 première version. D'ailleurs, le 1911 A1 n'a plus des plaquettes en bois, mais des plaquettes en matière synthétique. En 1927, l'armée argentine adopta le Colt 1911 A1 comme arme réglementaire dans ses unités militaires. Ce fut à cette occasion le premier pays étranger à utiliser ce pistolet dans son armée. Après, je ne veux pas trop rentrer dans le détail sur sa carrière militaire, car la synthèse serait un petit peu trop longue. En bref, le Colt 1911 fut omniprésent aussi bien dans les conflits que dans la police un petit peu partout dans le monde. Car bien entendu, ce fut le pistolet emblématique de la Deuxième Guerre mondiale, mais on le vit aussi dans l'armée française, dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. Mais aussi au Vietnam et en Corée, dans les mains des soldats américains. Mais maintenant, parlons de son calibre extraordinaire, le calibre 45 ACP. ACP qui signifie Automatique Colt Pistole. Je vous fais grâce de toutes les anecdotes relatant les histoires incroyables sur les faits d'armes exceptionnels du Colt 1911 doté de son calibre surpuissant. Des histoires comme un avion de chasse ennemi abattu d'un seul coup de 1911. Ou d'autres porte-avions coulés d'un seul balle. Des histoires comme ça, vous en trouverez autant que vous voulez. Mais sachant que la plupart de ces histoires sont racontées par des patriotes qui les récitent le torse bombé en faisant le salut militaire la main tremblante, alors méfiez-vous toujours de ce type d'histoire, surtout si elles finissent par... Euh, et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. C'est un indicateur qui dévoile une certaine euh, partialité des auteurs. Mais la vraie question est plutôt de savoir que vaut réellement le calibre 45 ACP. Quelle est sa réelle puissance d'arrêt Une compagnie de 12 Sharp Panzer avait-elle vraiment aucune chance face au sergent John Smith armé de son Colt 1911 Équipé de deux chargeurs, bien sûr, il n'y a que 7 cartouches par chargeur, faire péter deux tanks partir, c'est un petit peu difficile. Faut quand même être un petit peu réaliste. Comme son nom l'indique, le calibre 45 ACP a une ogive d'un diamètre de 0,45 pouces, soit 11,43 mm. Ce qui fait quand même 2,43 mm de plus qu'un diamètre d'une ogive de 9 par 19. Donc un très joli bébé quand même. Vu de face, il faut avouer que le canon force le respect. Le trou est conséquent. Et au niveau du poids, c'est pareil, c'est un truc de frimeur. Puisqu'une ogive de cartouche de 45 ACP fait 14,9 g, compte seulement 8 g pour le 9 par 19. Par contre, au niveau vitesse, une ogive de 45 ACP tirée depuis un Colt 1911 sort du canon à la vitesse d'un cheval au galop, soit une vitesse de 250 mètres seconde. La munition la plus puissante qui a été produite arrive péniblement à atteindre les 270 mètres ce qui correspond à des puissances entre 450 et 540 joules. Et toujours comparé à notre munition ultra standard le 9x19, les vitesses de sortie de canon se situent entre 340 et 360 mètres seconde, pour une puissance entre 450 et 520 joules. Donc il n'y a rien de foufou au niveau de la puissance d'un Colt 1911. Mais il y a un point où la munition 45 ACP écrase littéralement la cartouche de 9x19, c'est sur le prix des munitions. Une boîte de 50 cartouches de 45 ACP coûte entre 2 et 3 fois plus cher qu'une boîte de 9x19. Là, sur ce point, c'est une victoire écrasante du 45 ACP. Ceci dit, les sensations de tir avec le 45 ACP sont assez conséquentes, car le recul qui est produit par une cartouche est proportionnel au poids de l'ogive, et là on est sur du lourd. Et le gros diamètre de l'ogive, conjugué à une faible vitesse de sortie de canon, avait un certain intérêt au combat. Ben oui, parce que très souvent, l'ogive ne sortait pas du corps de l'ennemi, la balle restait à l'intérieur. Ce qui nécessitait une intervention chirurgicale lourde pour pouvoir retirer le projectile du corps. C'était une intervention beaucoup plus compliquée qui mobilisait beaucoup plus de moyens que si la balle avait traversé, donc ressorti. En plus, grâce à son poids et son diamètre plus important, elle occasionne plus de dégâts qu'une 9 par 19 ou qu'une munition de 38. Oui, au combat, les impacts étaient bien crado. Façon steak haché du grand arc. Bon, après, on parle d'impact sur des méchants, hein. Bien entendu, les gentils Américains tiraient uniquement sur des méchants allemands ou autres asiatiques sans foi ni loi. Oui, c'est très important de savoir où ont lieu les impacts. Si c'est sur des méchants, c'est beau, agréable et rempli de joie. D'ailleurs, toujours au sujet du calibre, sachez que vers 1930, une version du 1911 chambrée en 38 Super Auto vit le jour. Le 38 Super Auto est une munition inventée par Colt, qui n'a aucun rapport avec le 45 ACP. Mais cette munition était très intéressante puisque malgré un calibre moins important, la cartouche était plus puissante que le 45 ACP. Car la puissance pouvait atteindre 740 joules, avec une vitesse de 430 mètres par seconde. De plus, grâce au calibre plus petit, la capacité du chargeur passait de 7 à 9 cartouches. Le Colt 1911 doté de ce calibre fut largement diffusé dans toute l'Amérique du Nord. Les forces de police mexicaines ainsi que plusieurs polices de pays d'Amérique du Sud portèrent leur choix sur ce calibre. Mais même si le 38 Super Auto semblait plus intéressant en tout point par rapport au 45 ACP, bizarrement, il n'a jamais pu lui voler la vedette. Et c'est bien dans le calibre 45 ACP qu'on trouve aujourd'hui ce Colt 1911 partout dans le monde entier. Je voulais aussi rapidement parler de la version 20 de L Nombreux pensent qu'il s'agit d'une version très récente destinée. À des tireurs sportifs pauvres ou radins, comme Paul Lefebvre qui, lui en plus, cumule les deux caractéristiques, eh ben pas du tout. Le Colt 1911 en version 20$ a une dimension historique, puisqu'à l'origine, la version chambrée en 20$ a été produite en 1930 sous le nom de Colt Ace. La vocation de cette arme était pour l'entraînement des GI, même si je ne me l'explique pas forcément. Car c'est pas parce qu'il était chambré en 22 l'an IF que les G.I. pouvaient se permettre de faire des parties d'airsoft avec. En fait, je sais pas trop pourquoi il existait, peut-être que c'était pour l'initiation de nouvelles recrues qui n'étaient pas rompues au maniement des armes. Aucune idée. C'est vrai que c'est bizarre, l'armée américaine n'avait pas toutes ses armes en 22 l'an Est-ce que vous vous rendez compte du truc Les nouvelles recrues, elles arrivent, bon ok, on leur file des 1911 en 22 l'an et pour les mitrailleuses lourdes, alors c'était quoi C'était de l'airsoft en tout cas, c'est comme ça. Le Colt 1911 Ace en Vendelor-If a bien existé pour l'entraînement des militaires américains. À présent, voyons son fonctionnement. Il s'agit d'un pistolet simple action, ce qui signifie que si le marteau n'est pas armé, on ne peut pas tirer. Ça peut paraître un inconvénient, mais ça fait aussi office de sécurité. Admettons qu'une cartouche est chambrée, on a beau appuyer sur la détente, il n'y a rien qui se passe. Il faut relever le chien pour percuter la première cartouche. Un GI qui venait de fumer trois de Kong, à qui restait donc cinq cartouches dans l'arme, dont une dans la chambre, pouvait facilement remettre l'arme en sécurité en ramenant le chien contre le percuteur. Mes excuses pour la plupart d'entre vous qui considèrent comme absurde d'expliquer le fonctionnement du simple action, mais j'ai beaucoup de débutants qui suivent mes vidéos, donc pour éviter la panique, j'explique. Putain encore une rime, c'est un vrai poète votre polo. Alors au niveau sécurité, le 1900 n'est pas en reste. Comme je vous le disais, le simple action permet déjà une première sécurité, mais on a aussi la fameuse pédale à l'arrière qui empêche de faire partir le coup si vous n'avez pas l'arme bien en main. C'est une sécurité prévue pour éviter les départs accidentels. Et ce système est diablement efficace. Avant de l'avoir essayé réellement, je pensais qu'il pouvait donner lieu à des incidents de tir, mais pas du tout. Lorsqu'on l'en main aucun risque de mal appuyer sur la pédale. Oui, ce système est très bien étudié, c'est d'ailleurs même étonnant qu'il ne soit pas devenu la norme. Après, on a la dernière sécurité, qui est pour l'occasion une sécurité qui sert à la sécurité, qu'on appelle du coup... Sécurité. Et là, pareil, elle est très ergonomique, ça peut la mettre et l'enlever avec une très grande aisance. Oui, j'adore cette sécurité, elle est super pratique à manœuvrer. Par contre... Les gauchers avec à aller se faire foutre. Non mais sérieusement, il y a beaucoup d'armes modernes qui n'ont pas une sécurité aussi bien étudiée que le 1911. Ici, c'est un vrai plaisir de la mettre et de l'enlever. De toute façon, la voir en main donne un aperçu de la raison de son succès. On la super bien en main malgré son très gros calibre. Il est assez fin et facile à tenir, même si on n'a pas de très grandes mains. Il y a une finesse au niveau de la culasse qui est super agréable à l'œil. Non, non, ce pistolet est un vrai séducteur. Le Colt 1911 est une arme qui suscite de telles passions qu'elle est déclinée dans des versions les plus extravagantes. Même si des fois le terme d'extravagant est carrément un euphémisme. Regardez-moi ça. Oui, je sais, il y a des gens qui sont un petit peu torturés. La première fois que j'ai vu cette arme, c'était vers 2002-2003, sur la pochette d'un magazine cible, j'avais cru à un montage photo. Car j'étais persuadé que c'était pas possible d'être aussi con. Mais en Amérique, tout est possible. Enfin bref, ce Colt 1911 est l'arme militaire avec l'une des plus longues carrières. N'oublions pas que nous sommes à plus de 110 ans de carrière. Et certaines unités de police l'utilisent encore dans des versions modernisées. Oui, sa carrière est totalement sidérante. Souvenez-vous du Colt Walker que je vous avais présenté précédemment, qui lui avait eu une carrière de moins d'un an. Face au Colt 1911 qui va bientôt fêter ses 115 ans de carrière, ça laisse rêveur. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce superbe exemplaire de Colt 1911 A1. De quoi s'agit-il exactement Eh bien, il s'agit d'un modèle en airsoft. Je trouve que les répliques d'Airsoft sont d'incroyables objets de collection. Car ils ont l'avantage de ne pas être soumis à la même réglementation que les airguns et peuvent avoir des marquages idem aux armes originales. Bon, celui-ci n'a pas de marquage, hormis le calibre sur la chambre. En tout cas, il n'a aucun marquage dégueulasse avec la notice d'utilisation tatouée sur la culasse euh, ou une autre merde. Beaucoup de collectionneurs n'ont pas forcément le réflexe d'acquérir des répliques d'Airsoft pour la collection. Pourtant, dans le monde de l'Airsoft, on trouve des répliques si fidèlement reproduites que dans certains cas, il faut procéder au démontage de la réplique pour s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de la véritable arme. Je trouve qu'il est immensément plus intéressant d'avoir une réplique d'Airsoft qu'une arme réelle neutralisée sur laquelle on peut faire aucune manipulation ou démontage, et qui va être beaucoup plus cher. Alors voici cette réplique du Colt 1911A1, qui est un modèle blowback de marque KJW. Par contre je l'ai légèrement modifié, voici à quoi il ressemblait sorti de la boîte. Pour réaliser cette modification, j'ai seulement passé un petit coup de laine d'acier pour lui enlever le côté tout neuf. Regardez le résultat que j'ai obtenu. Même sur les plaquettes en plastique, le réalisme est saisissant par rapport à la finition originale. Et c'est vraiment très facile à faire, ça demande aucune compétence particulière. Et ça donne un maximum de réalisme à la réplique. Par contre, juste un petit conseil, si vous faites cette opération, allez-y tout doucement, petit à petit. Car si on en fait trop, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Mais le résultat vaut vraiment le coup. Au passage, je voulais chaleureusement remercier l'excellent magasin et spécialiste d'Airsoft Phoenix Airsoft qui m'a fourni cette réplique spécialement pour cette vidéo. Phoenix Airsoft est l'un des acteurs majeurs dans le domaine de l'Airsoft. Il dispose de tous les types de répliques possibles. Et on a une large gamme d'excellentes répliques GBBR, ces fameuses répliques avec un blowback qui se manipule et se démonte comme une vraie arme. Avec la possibilité en plus d'avoir un tir en full auto. Ces répliques GBBR ont l'avantage de faire de remarquables objets de collection mais pas seulement. On peut aussi les utiliser pour du tir récréatif à 10 ou 15 mètres avec d'excellentes précisions. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Phoenix Airsoft pour vous faire un aperçu des magnifiques produits dont ils disposent. Et je vous disais d'ailleurs qu'on pouvait tirer avec ces répliques, avec une précision intéressante, et ben on va tester ça. Pour info, il ne s'agit pas d'une réplique fonctionnant avec des cartouches CO2, mais avec du gaz sous forme de bonbonne. Le chargeur se remplit comme ceci. D'ailleurs, on peut enlever le chargeur pour pouvoir le remplir. On n'est pas obligé de le laisser dans la réplique. Le gros avantage du gaz par rapport au CO2, c'est de pouvoir tirer quasi toujours avec la pression maxi. Parce que vous pouvez faire un carton de 10 tirs puis refaire le plein de gaz direct. Donc repartir sur la pression maxi. Ce qui n'est pas possible avec une cartouche de CO2 car vous n'allez pas à la remplacer tous les 10 tirs. Allez, regardons au chronis qui sort en vitesse. On est sur de la bille de 0,20. Voici ce qu'on a obtenu au chrony. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une charge de gaz complète, on peut réaliser 30 tirs, ce qui est totalement cohérent puisque le chargeur a une capacité de 24 billes. Pour connaître sa capacité maximum, j'ai donc réalisé 30 tirs et la vitesse moyenne qu'on a obtenue, c'est 82 mètres par seconde, ce qui correspond à une puissance moyenne de 0,7 joule. Effectivement, c'est vraiment pas très puissant. Par contre, la sensation de puissance, elle, est bien là. Grâce au gros kick du blowback, on a une sérieuse sensation de puissance. En plus, on est sur de l'airsoft avec, donc faut pas trop calculer pareil. Avec l'airsoft, on a la technologie Hop-Hop qui est un système qui sert à faire tourner la bille sur elle-même, permettant dans un certain sens de faire voler la bille, ou en d'autres termes, d'induire un mouvement lui permettant d'aller beaucoup plus loin sans fléchir. Ainsi, avec cette réplique, malgré ses 0,7 joules, on peut tirer à plus de 30 mètres avec un tir complètement tendu. Ceci dit, on va tester cette réplique au stand à 10 mètres pour avoir un ordre de grandeur sur sa précision. La manipulation est un vrai régal, on dirait le vrai 1911. La détente est très agréable, elle est douce et franche, mais non, elle est au top. Allez, on regarde ce que ça a donné. Donc on était à 10 mètres et sans appui. J'ai tiré 16 billes, oui, euh, 16 billes. J'en avais 16 dans le chargeur, ouais, j'ai tout balancé. Alors, j'ai fait un groupement de 8 cm par 7, ce qui fait une surface de 56 cm2. Et en plus, je dois avouer que je n'étais pas ultra appliqué. Je pense encore pouvoir améliorer. Mais on est quand même plutôt pas mal du tout, je pense. Ça dépasse la précision d'un bon nombre d'erguns en 4.5. Et même de certains qui fonctionnent, eux, avec des plombs à jupe. Oui on est d'accord, c'est pas le plus précis que j'ai pu tester en ergun ou airsoft tout confondu, mais on est quand même là dans la moyenne haute au niveau de la précision. En tout cas, il n'a pas du tout à rougir face à des répliques, même avec des plombs 4-5. Alors voilà, dans cette vidéo, je tenais à vous présenter le Colt 1911, mais aussi je voulais vous rappeler à vous, passionnés d'armes et collectionneurs, à quel point les répliques d'Airsoft peuvent être intéressantes pour la collection, pour aussi le démontage et la manipulation. Et avec l'avantage de quand même pouvoir tirer avec. Bien entendu, les répliques les plus intéressantes sont celles dites en GBBR, qui sont en blowback avec la culasse mobile. Cette technologie permet d'avoir des répliques avec la plupart des pièces quasi identiques, euh, ou tout au moins identiques à l'œil, avec des armes dont elles sont la copie. Je suis comme vous passionné d'armes, j'ai de nombreuses armes en catégorie C et puis B, et certaines avec des niveaux de qualité très élevés. J'ai eu l'occasion dans ma vie de tirer avec des armes parmi les plus puissantes du marché. Pourtant, je suis capable d'éprouver beaucoup de plaisir juste avec des répliques d'airsoft, aussi bien pour la collection que pour le tir. Pour l'anecdote, un week-end il y a quelques semaines, euh, le samedi, je me suis retrouvé à faire une grosse séance de tir au club avec un 38 spécial et un pistolet en 9 par 1. Et le dimanche, je me suis retrouvé dans mon garage avec mon fils et dans mon stand à 10 mètres à tirer avec de l'airgun et de l'airsoft. Eh bien sincèrement, à la fin du week-end, je me suis posé la question de savoir quelle était la séance qui m'avait donné le plus de plaisir. Oui, je sais, faut pas déconner, si j'avais pas mes armes à feu, ça me manquerait beaucoup. Mais le principe de tirer au club avec des gros calibres en catégorie B et chez soi avec des répliques est complémentaire et très intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et vos abonnements. Je tenais toujours vivement à remercier les souscripteurs et les donateurs qui aident beaucoup la chaîne. Je rappelle que le coût de production de mes vidéos est assez conséquent, j'y passe énormément de temps. Alors si vous pouvez faire un petit geste, il sera le bienvenu. Vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur, j'ai même mis une souscription à seulement 1€ par mois. Et vous avez aussi le lien Tipeee pour ceux qui préfèrent. Mais quoi qu'il en soit, un très grand merci à vous tous pour avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour eh ben, plein d'autres vidéos. Salut les amis!